Moi, je vois pas ça, mais waouh! En vrai, si on a un petit cadeau là, ça peut encourager les gens à aller sur les streams. Touchez votre pied, c'est vrai, c'est vrai. On touche son yep, allez, hop, son petit pied. C'est quoi les récompenses? C'est quoi les récompenses des séries de visionnage? Quelles sont les récompenses pour ce truc? Là, il y a mon personnage qui est en train de cuisiner, j'ai l'impression qu'elle va mettre Rémi dans la marmite là, sur le côté là. Sa perso féminin Nintendo. Samus, c'est qui ça? Je connais pas. C'est des points de chaîne. Ah. Ça va, c'est cool, non? C'est bien ça! Petit point de chaîne là, on se tonks comme ça. Bon, allez, je propose qu'on aille jouer. J'aurais trop envie de jouer. Ça m'énerve là de rien faire. J'ai envie de jouer. J'ai envie que tu te taises la musique. Voilà, super. J'ai envie de jouer comme ça. Plus vite on joue à Disney, plus vite on pourra jouer Animal Crossing après. Donc c'est parti mon kiki comme on dit. J'ai un peu hâte. On doit faire le Dream Snap. Non, ça me dit rien, Baptiste. C'est qui ça? Ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Je connais pas du tout. Ça me dit rien du tout le nom. Genre vraiment rien du tout. Étrange, étrange. Allez, le jeu il est un peu longué. D'ailleurs, il y a une nouvelle boutique premium, nouveau Dream Snap. On va faire ça aujourd'hui. Bon, la boutique premium j'ai déjà faite, mais justement on va peut-être remodeler une partie. Pour placer la maison. C'est vraiment quand tu veux le jeu là. Oh non, il crache là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas. Ça a chargé bizarre là. J'ai fait crasher le PC. À l'aide! Ok, bon, j'ai toujours les mêmes trucs là. Il s'agirait de me mettre des lingots de fer au bout d'un moment. Ça, j'achète tous les jours. Comme ça, bon, on s'en fout un peu, mais je le prends quand même. Les briques, hop, hop, hop. Panchour, Charline, panchour! Panchour, panchour. C'est dur à dire, panchour. Alors, perdona estamos trilocos, là, j'ai l'impression. Hop, les... J'ai... Comment ça? J'ai autant de lingots de fer! Oh là 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 là, ça stocks! Oh my god! Je sais pas qu'il y en avait autant. Oui, ça me tourne. Ah oui, c'est vrai, du coup, regardez. Mais pourquoi il y a de la brume comme ça? Faut arrêter, hein. On avait fait un champ de fleurs la dernière fois. C'est Mims, non? On a mis des fleurs ici parce qu'on sait pas quoi mettre, du coup, hop, voilà. Ça se tonks fort ici, bah ouais. Ah merci. On va aller voir à la boutique. Hier j'ai fait ma boutique hier et c'était vraiment éclaté au sol. Hein. Oui, il a l'air pas mal en vrai le petit jeu auquel Lowinie elle joue. Ça fait très année 2011, tu vois, mais c'est Mims comme tout. Salut Agathe, salut salut, ça va bien. Je pose ma lampe, merci, merci beaucoup, c'est gentil. Oh, mais ça je l'ai déjà. Salutations, voisin. Allez, l'action, voisin. Au revoir. J'imite bien ou À pas? bientôt. Bon, j'ai quand même de nouveaux trucs. Le parquet là, il est beau Bonjour. par contre, à côté. Il fait vraiment pas beau, ouais, en vrai là. Et dans le jeu, la blague, je te jure, il fait vraiment moche aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment une température de merde. Il fait 8 degrés, il pleut. Donc, vraiment. Et j'ai une table de pique-nique. Oh my god, ça y est. Salut Léa! Ça va et toi? Bonjour. Ah bah, dans le travail, bon courage pour le taf. Ah, c'est Mime ça, Lilo et Stitch. Ils font une table de pique-nique. Ça, c'est un peu nul. Le lit, je l'ai pas, je crois. La serviette verte avec le truc comme ça, je crois que je l'ai. Ils peuvent pas nous mettre des objets qu'on n'a pas, genre comme les vêtements, je sais pas. Des petites soquettes, ça, j'ai pas. Oh, j'ai une coiffure trop belle! C'est pas la coiffure d'Elsa? Oh non, il fait de la flûte dans le magasin. Bonjour. Au revoir. À bientôt. Non, c'est réponse. Elle est jolie, celle-ci! Trop belle! Ça, c'est un. C'est quoi? C'est un jogos? Un cargo. Un cargo un peu jogging. Mais c'est que des trucs que je mets pas, ça. Vous avez vu ma belle dégaine aujourd'hui? Je me suis apprêtée et tout. Hein. Bon, allez, on va dire que ça va à la boutique. Je peux du décor de parc Disney? De parcs? De parcs? Ou de parc? Je comprends pas. Comment avoir entendu ne dis rien? Les citrouilles. Moi, c'est vraiment les citrouilles qui m'ont vraiment fait du bien au porte-monnaie. Par contre, mais c'est quoi ce temps là? C'est quoi le souci dans ce jeu là? Quel est son problème à ce jeu? Alors, on a quoi? Dévite des coques pour aller en colonie de vacances pour observer les étoiles. Ce défi consiste à passer du temps en plein air. Ah, elle est jolie la photo qu'ils ont mis là. Donc, faut qu'on fasse un petit truc en mode camping.
La trace lui arrive au pied. Bah, vraiment, elle les abuse un peu là. De parc. Comment ça, le décor de parc? De quoi que décor de parc? Bon, Lorc, je vais enfin bien. Vas-y, bon appétit. Donc, extérieur simple, décontracté, familier. Ok. Donc, pour ça, on choisit quoi comme endroit pour faire un petit camping? Moi, la chose logique, j'aurais choisi dans la... Dans la forêt du courage. Le Winil s'était mis sur la plage en vrai. Et je trouve que c'est pas spécialement une mauvaise idée. Surtout que j'ai de la place partout ici. Faut qu'on voit la vue qu'on a. On va regarder. Une anecdote si vous voulez. Vas-y, vas-y Léa, raconte-nous. Oh, on a des petits trucs de buissons là. Par exemple, dans la boutique des Pixos, mettre des décors, des attractions, Pirates des Caraïbes. Ah! Ah, ok, oui. Ok, j'avais pas du tout compris de quoi tu parlais. J'étais complètement perdue. Le père Castor raconte une histoire. Coucou Bichouette, comment ça va? Comment vas-tu? Bon alors, on se met ouf. Allez, j'ai tous les trucs là, je peux peut-être pas me mettre là. Ça aurait été bien qu'on se mette là, mais... Ouf, on a déjà tout meublé là. Et il faudra qu'on replace aussi le... On va se mettre sur la plage. On va copier la Kylix, tant pis. On va se mettre un peu en mode objet de Vaiana, genre. Genre les brasseros et tout là. Par contre, pareil, j'ai pas de place en fait. J'ai pas de place. Si on se met sur la plage, faut se mettre là-haut. On peut se mettre avec la vue sur le bayou, c'est un peu de la merde comme vue. Ou avec vue... On va organiser le petit coin là, on va faire ça ici. On va regarder... Salut Bou, comment vas-tu? On va regarder comment on va faire ça, attendez. Alors, on va déjà décaler tout ça. Il faut qu'on commande aussi des objets parce que... Est-ce qu'on en a des objets? Le camping-car de Buzz, il est où? Là, viens ici. J'attendais justement de trouver un truc pour le placer. Si on se met genre un truc comme ça. Et si on se met... J'ai pas... Il y a un truc qui est trop beau. Et que moi je crois que j'ai pas. C'est un objet... comment il s'appelle? Oula le... Excusez-moi, il y a un petit problème là. L'arbre il a poussé dans le camping-car là. C'est quoi cette histoire? Comment il s'appelle cet objet? En gros c'est des palmiers. Et entre les deux t'as un hamac là. Il est trop cool lui mais je l'ai pas du tout. Je viens de mettre la main dans ma poche en me demandant c'est quoi ce truc. Je sors un truc en question et la clé de l'école et du centre de loisirs. Oups, la boulette. Ah, je la cherchais partout. Oh, Léa! T'as volé la clé. Bah alors, on commet des vols ici. C'est fou, ça, quand même. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a qui peut faire un peu camping? On pourrait peut-être même aller voir directement la boutique de Picsou et acheter les trucs, non? Je pense que ce serait peut-être un peu mieux. On va aller voir... Qu'il fasse camping, mais qu'il fasse un peu plage quand même. Parce que pour moi, le camping, c'est un peu en bord de mer en vrai. Tu vas en vacances et tout. Bord de plage. Salut Marinette, comment vas-tu? J'espère que j'ai pas trop loupé vos messages. J'ai l'impression que je vous ai loupé, mais. Picsou, tu es où? Y'a pas à monter là-bas. Et toi, tu vas jouer de la flûte, c'est ça? Bonjour. On le connaît, lui, à force. Alors, on va commander des items, meubles. On va faire tout. Est-ce qu'on peut pas mettre un peu... On peut mettre genre extérieur. On peut mettre extérieur. Tout, tout, tout. Ok. On peut mettre extérieur. Alors ça, il m'en faut un. Je pense que c'est bien un foyer pour cuisiner. On a des chaises de plage bleues. On a quoi d'autre?
qu'est-ce qu'on a? On a les rayés bleus. Petit hamac. J'ai un hamac quand même, ouais. Les trucs qui fassent un peu camping, j'en ai pas des masses en fait. Hein. Ah, j'ai un petit truc de pique-nique. Mais ça fait très automne et puis il y a des petites feuilles... bof. Bof, bof, bof. Salut Maëra, comment ça va? Et salut Jenny, comment vous allez? Il y a littéralement rien d'intéressant là. J'ai une table de pique-nique, bah combien d'acheter? Et si j'enlève le filtre extérieur? Si j'enlève le vieux filtre extérieur là, on n'a pas des trucs qui vont mieux un peu en mode camping là? On n'a pas ça? Il nous faudrait genre une table et deux chaises. On a la guitare, en vrai, la guitare au bord du feu de camp là, why not? J'en ai deux des chaises. Et oui, ça arrive à tout le monde en vrai. Ils ont un double. Ah bah ça va, ça va. C'est pas grave, en vrai ça arrive hein, d'oublier. C'est pas comme si t'avais genre perdu les clés, tu vois. Elles sont avec toi, ça va, ça va. C'est ok en vrai, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous faudrait une petite table. Il nous faudrait une petite table. En vrai, j'ai pas grand-chose, hein. Faut un petit truc de camping. On va mettre ça, c'est non? On va reprendre une. Ils ont mis quoi sur l'image de base? Attendez, je vais regarder l'image. L'image qu'ils avaient spoilée, là, on l'avait mis... Alors, quelqu'un l'avait mis dans Actu Disney, je crois. Ouais, c'était chez Emma. Alors, ok, on a quand même ouais, des chaises, table de pique-nique, petit lampadaire. J'avais le truc, le tas de coussins, là. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça, le tas de coussins. Petit tapis, là, je vais le prendre. On sait jamais. J'ai envie de me moucher, déjà. J'en peux plus, ça y est. J'ai grave malade, là. Forteresse de couverture. C'est peut-être plus un truc d'intérieur. On a ça, en vrai, qui pourrait être sympa. On a le tapis, là, qui fait un peu tapis de plage. Attendez, je me mouche pendant que je vous lis. C'est glamour. C'est trop. Ah, ça a été ce matin, enfin ça a été Lolo là, le MK. Pourquoi ce matin tu voulais péter un câble? Qu'est-ce qu'il y avait ce matin de trop. Trop chiant? Alors. On pourrait limite mettre les découverts et tout, mais je suis pas sûre. Ça j'en ai, je pourrais peut-être en mettre en fait. Ça c'est Mims en vrai, je vais peut-être en prendre un et le mettre au bord de plage, mais on dessine. On dessine un petit truc. Ça c'est maquette de ville. C'est très intérieur hein, comme objet. J'ai des petites torches comme ça. Pourquoi pas? Les petites torches chez Mimi. Ensuite on a. Ouais, mais c'est vraiment des trucs plus intérieurs, ça, peut-être pas trop. Ça, je suis dégoûtée parce que ça aurait pu bien aller. Mais c'est trop automnal. Le style du truc est beaucoup trop automnal, malheureusement. Il y a ça, mais c'est pas du tout dans le thème. On a des canettes. Je vais en prendre une.
On a des planches de surf, mais c'est peut-être trop, trop camping playa. Je vais prendre ça. Je vais mettre une touche de verre sur la plage. J'ai l'impression de pas avoir les objets en fait qu'il me faut, c'est un peu chiant. C'est un peu problématique. On va se mettre des gros murs comme ça sur la plage, tu sais. Sinon il y a ça. Des nattes sophistiquées, elles sont jolies, mais ça fait trop Vaiana ça. Le problème c'est que je suis pour New York et Washington. J'ai menacé un... Ah, tu vas à New York, Baptiste ? Ça, c'est trop cool, ça. Je suis en train d'essayer de lire en même temps. Trop bien, ça, de faire des voyages comme ça. J'aurais trop aimé partir aussi loin comme ça. Bah, pas moi. Tu m'as volé mes sous, Picsou. Est-ce qu'il y a plus ? Je crois pas qu'il y ait plus. J'ai mes citrouilles qui doivent être arrosées, je crois. Printemps 2024, c'est cool. Donc, c'est bientôt. Ça se rapproche vite, en vrai. Enfin, bientôt. C'est dans quelques mois, mais... Tu remontes en point. Plus son foire. Bah oui, ouais. Bah, oui, c'est normal, Lolo. T'es fait défoncer tout à l'heure, c'est ça? Moi déjà avec mes 2000 points là... 3000 points? Je sais plus combien à combien j'en suis en vrai. J'ai pas énormément joué... Ah mais j'en avais plein des torches là. Bon alors on va tester, on va prendre tout. Déjà on va mettre les fils Dream Snaps. Ça commence bien, on a moins de trucs. Ça j'ai ça. Ça qui est intéressant. On a dit une petite guitare, pourquoi pas en mode petite guitare. Petite planche de surf, on peut mettre... C'est je sais pas, genre tu viens en vacances, tranquillou. Mais tout de même. Petite chaise bleue. J'allais plus être dans les tons verts, non, que bleu, au final. Les torches. C'est trop chiant ça, vraiment, qu'on doive tout redescendre à chaque fois. Je vous jure, c'est un truc qui m'énerve dans ce jeu. Oh là là, l'eau elle m'a dit que avant il n'y avait pas ça. Genre avant tu revenais et tu devais pas redescendre tout. Genre. Là c'est vraiment chiant. Bon je place tout et on replace bien après. Hein. Comme d'habitude. Si on faisait l'habitude. On placera tout bien. Plaque chauffante. On verra si on garde ça, hein, mais on essaye de placer la dernière torche. J'en ai acheté 4. Ensuite, bon, je pense en vrai on est au niveau du nombre d'objets requis là, on est pas mal je pense. Il y a ça aussi que je voulais. Il va falloir qu'on le place bien et qu'on mette les chaises autour. D'accord, donc la table on est bon, ça on est bon. Peut-être qu'on va pouvoir le placer enfin ce tapis là. Je l'adore mais. Emily Koukoux. Ça va bien, merci. Washington, c'est cool en vrai, ça a purée. C'est trop bien comme type de voyage. Je pense que tu vas kiffer en vrai. J'ai hâte pour toi. J'ai hâte pour toi. Ah, ça, 25 ans, prévoit un voyage en avril. Bon, c'est toujours pas la destination. Ah ouais, en mode ce qui lui ferait plaisir ou vraiment un truc qui est dans les cordes au niveau budget, temps, etc. Est-ce que vous voulez partir combien de temps? En vrai, c'est quoi la durée idéale d'un voyage? Moi, je pense que c'est genre 10 jours. Une semaine, je trouve que c'est pas assez. Parce que t'as pas trop le temps, surtout quand tu pars un peu loin, t'as pas trop le temps de te remettre, entre guillemets, pas des émotions, mais genre du trajet et du décalage horaire, tout ça, tout ça. Je pense que 10 jours c'est bien, ça te laisse vraiment le temps de faire plein de choses. Après bon, c'est sûr que niveau budget ça coûte quoi. C'est pas donné non plus. Je pensais mettre deux banderoles comme ça. Elles sont où? Elles étaient là, quelque part, par là-dedans. Là. Ouais, 10 jours c'est bien, je trouve. Ouais, en vrai c'est cool.
Vous me dites si jamais vous me voyez plus, hein, parce que hier ça m'a déconnecté, OBS il a crashé. Donc au cas où je disparais, bah vous inquiétez pas, c'est juste OBS qui a fait non, je ne veux plus animer le live. Oh, en fait si, puis il revient après, mais bon. Il nous lâche quand même un moment, ce petit con. Et après il y a tous les trucs que je peux pas placer parce que c'est en intérieur, c'est un peu dommage. On va défiltrer. Ok, je pense qu'on aura assez de meubles filtrés là. Il fallait 7, on en a largement assez. Tu apparais puis disparais. Non mais c'était ça hier, franchement c'était d'un coup en mode ah, erreur de réseau, alors que c'était vraiment mon OBS qui, je sais pas, genre en fait il a crashé et après il voulait se reconnecter, mais bah c'était un peu compliqué quoi. Ah, repas liquide, ça me dégoûte. On a ça. Alors, je vais le mettre là. En attendant, parce que peut-être que je m'en servirai pas, mais je me dis que ce genre de truc, en vrai, sur la plage, ça passe un peu. Ça fait un peu natte de plage. C'est ça, c'est natte. Natte de plage, ça se dit. Je sais pas comment on dit, mais... Bon, en tout cas, on a les éléments principaux. On a vraiment... Déjà, les trucs de base que je voulais placer. Je veux juste être sûre que j'ai acheté d'autres trucs et que j'ai pas oublié. Ça, j'allais l'oublier, par exemple. Je veux juste être sûre. Comme ça, au moins, on fait ça proprement. Ok. Là, c'est le Dream Snap, Emily. C'est un truc un peu en mode camping qu'il faut faire cette semaine. D'ailleurs, j'ai eu... Combien ? J'ai eu 1200 en récompense. 1200, 1400 ? 1200, je crois, en récompense. C'est pas mal, en vrai. Je suis assez contente. Je m'attendais pas à avoir autant. Donc, c'est plutôt cool. Je suis assez contente. Vie en bois... Non, non... Ok. Bon, écoutez, on va tester déjà avec tout ça de faire quelque chose. Ah, dommage qu'on puisse pas coller. Alors. Déjà, je pense que ça, faut le mettre un peu en mode près de la plage. Le tapis, là, on va peut-être le mettre après. Peut-être pas coller parce qu'on va prendre feu, là. On va s'enflammer, premier degré, là. C'est pas étouffe. Ça, on peut peut-être mettre... ça dessus. Non. Une petite plante. La petite plante que j'ai achetée là. En décor. Non, on va mettre en feuillage. Ça. Hop. Je l'aime bien cette petite plante, elle est mimes. Oui, un jour je compte retourner quelquefois à Londres et je dis bah. Faut l'essayer, bah je retournerai plein. Bah c'est cool en vrai. C'est bien que vous prévoyez des voyages. Si on fait bien le Dream Snap. Tu gagnes des pierres de lune. Normalement, c'est des trucs que tu gagnes, enfin que tu achètes avec ton argent. Donc là, tu les gagnes un peu de manière gratuite, on va dire. Donc c'est ça qui est assez bien, je trouve. C'est pour ça que moi, je les loupe pas. Mais en vrai, franchement, peu importe. Il suffit en fait que tu participes. Et à partir du moment où tu participes, tu gagnes facile. Enfin, tu gagnes forcément 300. Même si tu mets un truc au pif, genre on s'en fout. À tout moment, tu peux gagner plus, tu vois, mais tu gagnes déjà 300. De base, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je sais pas comment... Je sais pas si je fais comme ça ou dans le sens là. Et ça, je peux pas le placer là ? Il est gros non ce tapis là. Peut-être pas lui. J'ai l'impression que j'ai rien à mettre là. Ça c'est trop. Ça, why not? Mais plus sur le côté là, alors. Mm-hmm.
T'as tellement facile la déco sur PC, franchement, oui. Honnêtement, oui. Je peux pas dire le contraire. Alors, comment je vais pouvoir me faire une... un petit truc sympa ici. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on mette déjà des petits puissants. Je pense qu'il faut qu'on meuble un petit peu, qu'on mette un peu de verdure. On se donne toujours bonne conscience avec de la verdure. Hein. Petite fougère tropicale, allez hop. Oula, on se calme le jeu là, s'il te plaît. Ça, c'est une fleur fanée, on va la décaler là-bas. Donnez-moi ce palmier là, on va faire un truc... Alors, je sais pas comment on peut placer les choses ici. Est-ce que... Alors là, en vrai, peut-être que c'est peut-être mieux si on décale ça. En vrai, faudrait que je les colle parce que sinon ça prend trop de place. Et si je mets ça... Genre là, comme ça. Ça, on peut peut-être placer ça au pied du palmier. Comme ça. Mais ça, le but, c'est que ce soit sur la plage, donc c'est un peu dommage de devoir le... Sauf si je le décale comme ça. Comme ça. Petite guitare. Côté de ça. Il faudrait qu'on se mette en mode nuit, non? Peut-être. Je vais pas le pousser plus loin, là. Non, je peux pas. À moins qu'on recule ça. Et que ça. Ou sinon, ça, on le met dans le sens là. Mode petite guitare à côté. Petit flambeau. À côté. Comme ça. Lui, on peut le décaler. Je sais pas, par là-bas. Ça, on peut le décaler. Comme ça. Mais là, il faudrait un petit tapis. On peut le mettre là. Oh! Mimi! Les petites planches de surf. Ça, je sais pas trop comment on pourrait faire. Salut Julie, salut Marine, j'espère que vous allez bien. Ça fait très ilacé, ouais en vrai un petit peu quand même. C'est un peu le même style. Salut Ouna, je ne fais que passer mais je voulais vous rappeler quelque chose de très important. Vous êtes toutes et tous magnifiques, ne laissez personne essayer de vous convaincre du contraire. Des bisous, trop mimi, j'adore vraiment les messages d'Ouna à chaque fois. Merci beaucoup pour ta bonne humeur Ouna, c'est gentil. Adorable, trop mims. Trop mims. J'adore ce genre de message. Je pense qu'on peut faire ça. Mais là, je trouve ça un peu dommage. Il faudrait peut-être qu'on se... Je rapproche un peu, je pense. Sinon, j'ai peur en fait de pas avoir assez de place. Oula! Je suis vraiment à l'autre bout de la terre à chaque fois. Et là, on pourrait se mettre ça. C'est chiant ça. Trop mims. Le jeu, tu veux dire Newtona? Ouais, tu peux l'avoir sur Steam.
C'est restons nous-mêmes. C'est... Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Restez qui vous êtes. Ne changez pas pour les autres. Ça, c'est une vraie morale, mais... Laissez pas, genre, les autres choisir qui vous devez être. Genre, vraiment, vous êtes vous et soyez vous. Si les gens vous aiment pas comme vous êtes, s'ils essayent de vous faire changer, bah, tant pis pour eux, genre. C'est qu'ils sont pas faits spécialement pour être compatibles avec vous, entre guillemets. Peut-être le prendre sur ordinateur, car si tu galères trop. Franchement, sur ordi, c'est... il est vraiment mieux, honnêtement. Ouais, par contre, faut faire attention sur la Switch. Quand tu time travel, ça défonce tout ton jeu. C'est vraiment le pire truc, quoi. C'est bête, parce qu'en vrai, genre, time travel... c'est très pratique dans ce genre de jeu, mais là... Là, c'est vraiment pas pratique du tout. Et ça... Je sais pas comment je peux me débrouiller pour cet endroit. Parce que là je suis en journée. Est-ce que ça passe pas là? Voilà, avec le palmier, non, ça passe plus. On va regarder. De nuit ça rend comment? Parce que le camping c'est de nuit. Enfin, je pense. C'est dans quoi déjà? Dans graphique? J'ai à moins 6 heures. En fait, je suis vraiment à quelle heure là? Je suis à 10 heures du matin. Oh, les grillons là. Oh, waouh. Je peux pas l'allumer ça? Ça s'allume pas? Oh. Alors, on va peut-être réussir à faire un truc assez sympa. J'essaye, hein. On va essayer de faire une photo sympa. On peut pas prendre de photos quand on est assis? Oh, c'est dommage, ça. Alors. Comment j'avais fait? Alors, ils disent... Ok, comme ça. Comme ça. Je pense que c'est mieux qu'on voit un petit peu d'en haut. Oh, il y a une constellation qui arrive derrière, là. C'est joli, ça. C'est peut-être beaucoup d'infos, là, non, quand même. Peut-être beaucoup d'infos. On va peut-être enlever, genre, les planches de surf. Je n'étais plus sur SNH où il faut remettre à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et moi, j'oublierai tout le temps, hein, honnêtement, là. Je suis vraiment la pire pour ça. C'est sûr que j'oublierai. Je pense qu'on peut même se coller là. Pour pas trop surcharger la photo. La petite musique et tout. Non mais c'est trop bien ça. Ça, je pense qu'on peut peut-être plus le mettre là. Mais je suis où là? J'en peux plus. Bon, retestons. Oh, alors là, là c'est carrément abusé. Là, la caméra, elle a fait vraiment nimp. Voilà, normalement, je peux juste... C'est quoi? Ah non, c'est celui-là. Mais... Ah oui, faut me déplacer. J'essaye de comprendre les... Non mais cassez-vous de ma photo, là. Mergotel, là. Et c'est quoi ça? Non, mon perso il est mal placé. J'aimerais bien qu'il s'assoie. On peut pas l'asseoir? Et faire la photo. Mais partez de ma photo, vous. Cassez-vous. Vous êtes pas invité en fait.
poussez-vous. Partez, madame. Veille folle. Allez-vous-en. Manipulatrice. Partez. 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 Brûlez-vous dans les feux, je ne sais pas, mais partez. Cassez-vous. Non, mais je te veux pas. Cours après la dame là-bas, mais laisse-moi tranquille. Va-t'en. Elle veut pas partir. Je vais barricader la zone hein, si tu continues. Casse-toi, je vais vous brûler dans les feux, madame. Je vais vous allumer votre robe. Vous... C'est horrible. Allez. Non, non, non. Non. Vous êtes punis. Partez. C'est dur à la pousser, hein. Elle va venir de l'autre côté, c'est sûr, elle va remonter, genre. Non, c'est bon. Bah, vas-y, casse-toi. Est-ce que c'est nécessaire que je sois sur la photo en V2V? Non. Ah, si, je suis obligée d'être pas loin. Sinon, je peux pas me mettre dessus. Si je me mets genre là. Ma photo, je sais pas comment je vais la faire. Je vais aller voir ce que les gens ont fait. Non, je vais pas faire ça. Tant pis. J'allais voir si les gens ont posté déjà leur Dream Snap sur le serveur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà posté ou pas? C'est Nini d'ailleurs qui a fait le temps, le camp. Heureusement qu'elle est là. Ainer, elle a fait quoi? Ok. Ok, c'est Mimi ce que les gens ont fait. Et chez Lo, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? On va aller voir. Fais un tour pour aller chercher les fusils. J'arrive, je vais le chercher, bon, t'inquiète pas. Je vais le ramener, mon fusil, là. Alors ça, c'était chambre en beauté. Quand on... Et ça va, celui-là, je trouve qu'il est... Il est plus créatif que les autres d'avant. Les autres, franchement, c'est un peu ennuyant, hein. Ok. Il est joli, celui que Loël a fait. Waouh. Oh, il y en a, ils ont fait des trucs trop jolis, avec Maui et tout. Mais il y a plein de poses différentes avec les animaux. Attendez, je vais changer, je vais prendre un autre truc. C'est quoi les poses avec les oiseaux? Compagnon. Ou les tortues, c'est quoi la pose la plus mims? Petit renard noir, trop mignon. Elles sont bien les poses avec les oiseaux? Oh, let's go Evaluna, trop bien. Une petite tortue, en vrai c'est la plage. Je vais mettre avec une petite tortue, non? Je vais mettre avec celle-là, elle est belle. Hop, on bouge pas trop. On fait juste ça deux fois. Regarde ces pauvres âmes en perdition. Mais cassez-vous! Je pense que je ferai une photo dans cet angle-là. Putain, j'ai changé d'angle. Et si je prends la pose avec... Oh non, c'est adorable! Casse-toi! Non, non! Je vais crier! Photo. Vas-y, on a une de l'autre côté. Moi, ce que j'aimerais bien en plus qu'on voit bien comme ça. En vrai, ça va, on les voit plus trop là.
Oh. Ça va comme ça, non? Oui, j'ai pris ma photo au feu, on va les brûler. Je vais vous foutre dans le feu, là. Non, je connais pas un petit feu de camp. Il y a pas un feu de camp? Genre qui prend un feu de camp qui est littéralement comme dans Animal Crossing. Il y a pas ça? On va soumettre celle-là. Putain. C'est quoi les touches magiques? C'est moi? C'est mon gilet? Putain, câble. Je crois que c'est mon gilet. Et ça, c'est blanc, c'est pas les trucs de base. Faut que je me change, c'est une blague. C'est une tenue de... Enfin, c'est un truc déco, ils me disent ça. Et dans les manteaux... Ouais, elle est trop belle, la tortue, je l'adore. Elle est trop mignonne. Salut Reren, comment vas-tu? J'étais en cours, oui, ça va, ça a été tes cours. C'était pas trop... trop compliqué, trop chiant. Pas eu de trucs en mode contrôle, partiel ou que sais-je. Ça a été. Ah mais du coup ça gâche tout mon look. J'avais un look du tonnerre là. Faut tout que je refasse. Non c'est pas beau. Ah non je suis triste. J'avais un beau look et tout. Un petit look il est cassé. Je vais mettre ça en vrai mais bon. Faudrait que je mette... La chemise blanche, là, je la ressors à toutes les sauces. Hein. Elle va bien avec tous les hauts. Et ça, pareil, là, c'est quoi la différence? Là, il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Gilet classique violet. Une pince-cravate, là, c'est quoi? C'est pas une pince-cravate, c'est... Il y a une cravate aussi. J'ai des trucs en x72, je sais même pas pourquoi. J'en ai autant, quoi. La fée clochette, j'adore le petit haut, il est trop mimes. Je l'aimais jamais d'habitude, mais là il est chou. Celui avec Vanellope, avec le roi lion. Mais en vrai, j'aime pas les trucs avec des motifs. On va prendre la chemise classique, mais du coup, faut que je refasse mon point de vue et tout. Bougeons pas. On a. Ah, je suppose que tout le monde t'a dit que j'étais la méchante. Bah, c'est pas le cas. Putain, elle est sur ma photo. Je suppose que tout le monde t'a dit que j'étais la méchante. Elle a quand même osé. Osé dire. Elle est vraiment quand même zinzine. Hein. On va mettre la pose avec l'animal parce qu'elle est trop mimes. Putain, j'avais une belle, un bel angle là. Je sais plus comment il était. Non mais... J'en peux plus. Vas-y une petite tête, ramène les flammes. Purée. Oh, l'allemand, c'est compliqué. Hein. Piascar, Stitch Me. J'ai envie de crier. Partez de ma photo. J'étais en train de faire un truc trop beau. Vous avez tout gâché. Oh, cette vallée commence à s'arranger. J'en peux plus. Merci Landrexy, merci beaucoup pour ton follow. Je suis au bout du girls. Je teste juste 2-3 trucs.
Ok. Ça, ça passe. Elle est partie? Est-ce que vous êtes partie, grognasse de service, là? Puis je l'ai bloqué, je crois. Casse-toi. Dégage. Je vais mettre des barrières autour hein, de ma zone. Hein. Non, 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 non. Tu arrêtes. Stop. Il faut que tu comprennes qu'on ne veut pas de toi, en fait. Genre, vraiment, personne. Personne ne veut de toi. Tu nous as pris pour une conne durant toutes tes quêtes. Alors, dégage. Va là-bas. Non, dégage. N'y pense même pas. N'y pense même pas. N'y pense même pas. Putain. Personne ne l'aime. Arrête de venir m'embêter. Stitch, pareil, toi en vrai tu peux rester. Ça va, t'es un peu dans le thème. Casse-toi. Dégage, laisse-nous. Tu veux pas aller dormir? Putain, elle est trop chiante cette dame. Mais c'est pas possible. Laisse-nous. Sors de ma zone. Ah putain, la forceuse, quoi. Elle me saoule. Enfermé avec des clôtures. Bah, c'est littéralement ce que je vais aller faire, ouais. Dégage, putain. Dégage, dégage, dégage. Je la déteste. Genre, vraiment, je peux pas me la voir. Non. Pourquoi tu veux aller dans la caravane de Buzz? Qui t'a convié? Qui t'a convié? Je crois qu'il y a personne qui t'a convié. Alors, pars. T'aurais été genre Lilo, Stitch, peu importe, genre. Ok, mais là t'es la mère Gothel, la chiante Gothel. Et y'a Anna qui s'y met, non mais c'est... C'est une blague. C'est une putain de blague. On va déjà faire ça. On va déjà faire cette grognasse là. Dis-moi qu'elle est dedans là. Ok. Ah pitié. Casse-toi. Oui, casse-toi. Ta gueule, toi, il me saoule. Laissez-moi prendre ma photo. Pitié. Pitié. J'en peux plus. Il y a toute la compagnie. Non, mais c'est trop. Juste laissez-moi, quoi. Merde. C'est pas mal ça. On soumet. J'ai pas de... Dommage que j'ai pas de jolis trucs dans le ciel là, des constellations. Elle va y arriver. Je vais y arriver. Et j'aimerais bien la sauvegarder. Heureusement que je suis pas en live sur TikTok, il m'aurait banni pour me dire oui. Oui. diffusion de QR code. Ils m'auraient saoulé comme ça là. Toujours ils font ça genre. Insupportable. Ils m'ont banni la dernière fois sur TikTok parce que j'avais... Je sais même pas pourquoi ils m'ont dit contenu... Comment ils m'avaient dit ça? Contenu non original. Et ils m'avaient... Enfin ils m'avaient... Bref. Hashtag. Oula, pardon, ouais. Hashtag oula, pardon, ouais. Allez. Dommage qu'on ait pas Lilo ou Stitch, là. On va mettre les... Je vais juste mettre ma photo sur les endroits adéquats. Hop.
Chez Clarelia aussi, je sais pas si Clarelia l'a fait le truc déjà. Si elle l'a fait. Ok, j'ai mis ma participation. Oh, c'est Mimi ce qu'elle a fait, Clarelia. Ah non, c'était pas, c'est pas le sien, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Hop, bon, je les ai mises, les petites photos. On est bon. Enfin, purée. C'est Mimi en plus, cet endroit là. Est-ce qu'on l'encadrerait pas peut-être par des clôtures? On va libérer quand même la grognasse de service là. Hop. Je la déteste vraiment, je vous jure. Je peux pas me la blairer. Là c'était vraiment juste pour la photo, pour que ce soit esthétique quoi, mais... Ah, on va peut-être pouvoir mettre les clôtures là même. Je vais peut-être mettre ça là. Ok. Je vais juste décaler de 1. Juste pour pouvoir mettre la clôture. Voilà. Et là, je peux peut-être continuer la clôture. Comme ça. À moins que... Non, ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal comme ça. La petite tortue, elle est trop chou, je l'adore. Regardez-la, elle me suit, regardez comme elle est trop mignonne. Ma petite turtle. On va se mettre en journée. On va se mettre à la bonne heure. C'est l'heure du goûter en plus. Oh my god. C'est Mims aussi de jour. Mais le camping, ouais, ça rend mieux la nuit. Alors. Petite fleur, on va l'arroser quand même, la pauvre. Pauvre madame. La tortue. Ah, c'est une tourte. Ça me dégoûte. J'ai l'image d'une tortue en mode tourte. Le mot tourte, il est un peu drôle. C'est aussi une insulte. En mode, ouais, t'es vraiment une tourte. Ça veut dire genre une empotée un peu, genre. Espèce de tourte. Une belle insulte. Faut narguer ceux qui peuvent pas goûter. J'ai pas encore faim moi pour le goûter. Et je sais pas quoi manger. Donc ça attendra pour le goûter. Je pense. Bon, je suis contente, on a fait ça. Maintenant qu'on a fait un peu le tour. Bon déjà j'aimerais bien qu'on se rhabille parce que là... J'ai dû changer mes superbes tenues. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on aille dans l'endroit du diable. J'ai un truc à faire ici. J'ai une petite question. Est-ce que tu as regretté de raser Akomoun? Car j'ai essayé de recommencer une nouvelle partie. C'est ma il y a 4-16 ans. Alors, Akomoun... La raser, non. J'ai pas vraiment eu de regrets en vrai parce que... Je me suis dit que j'allais faire mieux... Dans la construction d'après. Donc en vrai, je me suis pas... Non, j'ai pas de regrets en vrai de raser mon île. De reset. Peut-être que j'ai des regrets d'avoir reset pardon, certaines îles. Parce que du coup, bah, j'ai perdu tous les objets qu'il y avait dessus. J'avais pas fait de transfert, mais... si tu fais un transfert des objets lors d'un reset, en vrai, ça va. Mais non, en général, franchement, non, ça va. Je regrette pas. Après, c'est est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire après? Parce que si t'as pas d'idée, peut-être que dans ce cas-là, tu vas peut-être regretter. Dans le sens où tu vas le raser, tu sauras pas quoi refaire. Mais si tu sais déjà à peu près quoi faire, en vrai, ça devrait aller. Enfin, je pense. On a tous beaucoup évolué en déco sur Asana, chez MMDG. Ouais, vraiment. Bah, quand tu regardes, hein, en même temps, tu... C'est vraiment un truc de communicant que je veux dire, mais quand tu fais de la veille... Donc faire de la veille, c'est quoi? C'est en mode quand tu regardes un peu ce que font les autres, ce que font les concurrents, entre guillemets. Dans le secteur de la communication, la veille,
c'est regarder ce que font les concurrents, mais quand tu regardes ce que font les autres tout court, bah tu vois un petit peu, tu vois un petit peu ce qu'ils font et tu vois un petit peu les nouveautés, les choses que tu peux assembler ensemble au niveau des meubles, enfin les meubles qui vont bien ensemble, etc. Donc ça t'aide beaucoup aussi. Hein. Au tout début, personne ne savait comment bien décorer, et puis au final, tu vois comme ça s'est un petit peu propagé. C'est assez cool. J'avais oublié cette histoire, mais j'ai deux trucs comme ça à placer. Et là, je voulais la mettre là, mais ça passe pas. Comment je fais? Je peux pas la mettre. Ou va falloir que je la mette là? Alors. Ça m'embête un peu. On va devoir faire un peu d'espace. C'est pas très grave, mais... C'est dommage qu'on puisse rien coller, là. Je suis dégoûtée. Il va falloir que je mette ma maison ici. Ça me saoule. Il y en a trop. J'irai chercher dans le stock des arbres. Hein, la flemme, là. Il y en a vraiment beaucoup. Massent, coucou. J'étais en lurk tout à l'heure. Je t'ai regardé jouer. Je t'ai regardé faire la course de sac à patates, là. Comment s'est passé le stream? Merci pour ton raid. 20 ? Animal Crossing, 20? Oh my god! On est où là? On est en quelle année? 20? 20? 20? Mais non, pas 20. Mais pas 20. 20? N'hésitez pas à les follow send! Je mets mes derniers bits ici. 20? C'était quoi le clip là? C'était 20 quoi? 20? Un peu marrant. Comment ça s'est passé? T'as gagné le truc de la course de sac à patates là ou pas? J'ai pas tout vu. Salut Emric, comment ça va? Je me souviens même plus. Oh non. Bah bravo. Retour au siècle dernier, je te jure, ça fait tellement longtemps. La dernière fois, Send, elle m'envoie. Enfin, j'ai vu, c'était sur quoi? Non, tu m'as pas envoyé, tu m'as juste. Enfin, j'ai juste vu. C'était sur quoi, purée? Je sais plus, genre sur Insta, je crois, ou sur Biril, je sais plus. Je vois qu'elle a lancé Animal Crossing, je suis là en mode oh my god. Dis au bout de 2 minutes, j'ai éteint le jeu. Je suis là. Bon. Au final, ça n'a pas duré longtemps. Alors soit je le mets là. Purée, j'ai vraiment des idées de merde. Ou soit sinon, en fait, je le mets là-bas. Maintenant, il y a un lac, il y a les vieux lacs qui gâchent tout. Sur Insta, oui. Mais moi, j'étais choquée. C'était outrant, franchement. Salut, Krasim, comment ça va? Comment est-ce? Non, mais je suis tout bonnement choquée. Putain, mais on voit rien en plus dans cette partie-là. Ah, faudrait que je mette la maison ici, mais même là, j'ai pas assez de place pour la caler, je crois. Bah, je pourrais la mettre là. Mais j'ai pas envie de devoir tout décaler. Je peux la mettre là, comme ça. Et dans ce cas-là... On peut peut-être, du coup, dériver le chemin. Alors, au lieu de le faire aller... On peut faire... En plus, on peut faire un double chemin, comme ça. Ah non, on peut pas. Je peux faire ça. Oui. Hop. Par contre, on peut pas mettre de chemin comme ça. Ah, super, vraiment super. Aïe, 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 aïe. Oh, Newtona. J'hésite à acheter Disney, donc je regarde ce que ça donne quand tu joues, car je connais pas trop. Alors, si jamais, tu peux faire point d'exclamation DDV, je crois.
Ça t'explique un petit peu le jeu, enfin en tout cas les grandes lignes du jeu, dans le sens où qu'est-ce que tu peux faire sur le jeu. Moi, j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est très jeu de déco. Et enfin, moi, j'utilise plus comme un jeu de déco, moi, de mon côté. Donc j'adore, parce que bah, j'adore la déco. Donc j'apprécie fortement, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment un peu moins, parce que c'est moins dans leur corde, moins dans leur style de jeu, tu vois. Ça dépend vraiment des gens. Il est énorme ce machin par contre, hein. Oh là, et c'est gigantesque ce truc. Il est vraiment grand, genre, mais grand, grand. Mais pourquoi j'ai un bout de clôture là? Pourquoi faire, j'ai un bout de clôture ici? Sur ma télé, sans mon compte. Mais je crois que la télé, dans tous les cas, t'es obligé de passer par le téléphone, non? Putain, je me sens comme une star sur la télé, là. Oh my god. Je suis en grand et tout. Je suis une starlette à la télé. Ouais. Ça se laye un peu. Bon, on va ranger cet arbre-là. Il me saoule. Je pense qu'ici, il faudrait qu'on fasse un truc un peu comme ça. Je pense qu'on peut même ramasser ce gros arbre, enfin défraîchi complètement. Hein. C'est quoi qu'il y a par terre là? Une touffe. Bah ouais, y a plus de touffe comme ça. Hop. On peut même mettre ça en vrai. Et par contre, cette maison là, je peux pas la reculer de une case. Ah non, je peux pas, c'est dommage. À moi. Et là, faudrait que je fasse le genre de jardin de la maison. Un genre de jardin pour la maison. Le genre de jardin, ça veut dire quoi? Le genre de jardin, ça veut rien dire. Genre du jardin? Non. C'est pas ça, j'ai pas dit ça. Faut qu'on fasse un petit jardin. Ou du moins un truc qui passe là-dedans. Là. Faudrait que je mette des clôtures, un peu comme à côté. Mais j'ai même pas fini de mettre les clôtures d'à côté. Ah si, j'ai fini! Ah non, il m'en manque là. Il manque toute cette barre là. Floup. Ça devrait le faire. Mais j'avais galéré à faire les clôtures. Par contre, on peut refaire ça pour la maison d'à côté là. Ou avec d'autres types de clôtures. Coucou Peaceful, ça va et toi? En plus, tu es grand dans le salon, j'en profite. Tu es en grand dans le salon? Je suis en grand dans le salon? Tu vas avoir tous mes défauts. alors, comment je pourrais faire? En vrai, pour faire genre, il n'y a rien au bout. Pour pas montrer que j'ai cassé le truc, on peut faire ça. Ça, je sais pas comment le mettre. Ça, il y en a plein, là. Ça sert à rien, ça. À moins que je m'en serve comme... Hop. Ah mais non, si tu passes pas en dessous, ceux-là. Ah bah, j'ai rien dit, alors. Je les dégage, en vrai. Ouais, je peux les enlever en vrai. Attends, on voit rien. Cette zone, c'est vraiment abusé. Alors, on va faire une petite pause constru là. On va aller crafter des routes et on va voir si on peut pas faire des coucouino. Si on peut pas faire des coucouino. Des clôtures en métal là. Pour mettre autour. Elle est belle la maison en vrai là. Elle est pas mal. Elle est belle je trouve. C'est pas mal parce que du coup, t'as la maison de Vanellope là. Et ça à côté qui se mélange en vrai pas mal. Et on l'a du coup en version normale. Il est énorme hein, par contre. Hein. Oh, mon dieu. Il est gigantesque. Ce manoir. Mais il est très cool. Salut ma bête, ça va et toi? Comment vas-tu? Et on va regarder là si j'ai pas du bois sombre. Le fameux bois tout noir là. Hop. Je vois pas bien. Ah, franchement, je veux dire, je vois rien du tout. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça. Le temps que je sois dans cette zone parce que je vois rien. Là je vois un peu mieux. Ok, bon attendez, on va se TP parce que j'ai pas du tout les bonnes... Je remets ma lumière après. Hein. Peut-être pas, je sais pas, je verrai. Quand je décore cette zone, il faut vraiment que je sois dans le noir sinon je vois rien. Chez moi c'est la tempête, je vous raconte pas la tête de mon jardin. Tout ça a volé. Encore? D'accord Belle, va lire ton livre, avec grand plaisir. C'est encore les tempêtes là? Je pensais que c'était fini ça, non?
Ouais, il y avait un peu de vent en vrai ce matin. Il y a plu toute la matinée en vrai, donc. Est-ce que je mets ça autour de la maison ou est-ce que je mets cela? C'est quoi ça? C'est 3? Ça c'est 2. Est-ce que je mets ça? On va dire, on va faire déjà du fer parce que j'ai des lingots. Je vais en faire 11. Je crois que j'ai chopé la main. Oh non, c'est pas cool ça. Soigne-toi. Nous, il a neigé. Ah ouais? Déjà? Si tôt dans l'année, ça neige? Je pense qu'on va mettre ça en vrai. Ça fait peut-être moins accueillant, mais... Allez, je transforme tout mon fer en cette clôture. Hein. Il est pas foufou. Ah, moi j'aime bien Shaima. Il est mieux que la semaine dernière, le Dream Snap, là. Il est largement mieux, même, moi je trouve. T'aimes pas, toi? Je vais pas en faire beaucoup, des chemins. Hein. J'ai pas assez de terre. Il va falloir qu'on aille chercher du truc dans le sol, là. Il nous faut quoi? Il nous faut des cristaux. On va peut-être faire un tour après. Hop. Et il n'y a pas plus. J'aimerais bien qu'il pleuve là. J'attendrai un petit peu qu'il pleuve avant de déco quand même. Ah ouais, franchement, le guide, ouais, je le recommande de fou. D'ailleurs, faudra que je tourne ma vidéo sur le guide. Je suis encore en train de lire et tout. Enfin. En même temps que je vous fais un peu les astuces, etc., je le lis. Et j'attends vraiment de bien le connaître pour vous en parler et pour le conseiller, mais franchement, ouais, hein, si vous hésitez et que vous pouvez vous le permettre, franchement, prenez-le parce qu'il est vraiment intéressant. Dès que t'as une question, tu te dis, purée, je sais plus comment on fait ça. Internet, en vrai, je m'y fais plus. Parce que, par exemple, pour débloquer le catalogue de Mantin, Internet, il disait qu'il fallait dépenser genre 250 000 Poki, alors qu'ils disent dans le guide que c'est que 150 000. Donc tu vois, genre, c'est des trucs comme ça, mais qui, genre, moi en vidéo, quand je cherche l'information exacte, bah je dis de la merde. Du coup, en tout cas, pour moi qui est créatrice, je trouve que c'est grave mieux le guide que Internet. Ça fait un peu énorme, ça. Je le trouve plus correct, on va dire. Alors. Décale ça. Alors. Ok, et là on va mettre la clôture. 90 j'en ai. C'est pas mal en vrai cette clôture. J'imaginais pas trop ça, mais... Et là, je pense... En fait, limite, là, je pense qu'on pourrait faire un... Alors, ça va être un peu osé, ce que je vais faire. Mais limite, je pense qu'on pourrait... D'ailleurs, faudrait qu'on place les dernières... Dernières citrouilles qu'on a dans l'inventaire. Qu'on pourrait faire un truc comme ça. Je sais pas si ça va être une bonne idée, hein. Comme ça. Il en reste 25 si on fait ça comme ça. Mais ça fait un peu, vous savez, genre endroit où t'es pas censé aller et tu peux pas passer la barrière parce que c'est genre un peu genre désaffecté. Je sais pas si vous voyez un peu le style du truc. Je trouve ça pas trop mal. Enfin, le truc que je veux renvoyer est présent, en tout cas l'image que je veux renvoyer. Salut Béranger, comment ça va? Elle slay un peu, ouais. Hein. L'immeuble, il est trop stylé. Ouais, là, c'est le manoir de Monsieur Jack. Il est un peu mimi. Il est un peu mimi. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on t'a pas fait Béranger. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va, le petit Béranger? Tout va bien? Là, je pourrais peut-être décaler ça aussi. J'aurais peut-être dû crafter ça. Peut-être pour finir de barricader l'endroit.
Après, en vrai, je peux récupérer ça. Des deux côtés. C'est pas spécialement utile, en vrai. Dis-moi que j'en ai assez. J'en aurais pas assez, c'est sûr. C'est quoi l'histoire, là? C'est l'arbre que je peux... qui me bloque, là? Oui, je peux pas. Vas-y, il m'en manque un tout petit peu, c'est une joke. On peut même couper là. Hein. Oh, j'aurais assez là d'un côté. Si j'ai enlevé que d'un côté là. 7, ça suffit. Oui. Bon, on refera plus tard le bout, mais c'est pas non plus le plus important. Là, ça c'était important. Ok. Et donc là maintenant, je dois coller les trucs au bord. Ça par contre, c'est une fleur, ça n'a rien à faire là. Je dois coller un peu les trucs au bord pour un peu camoufler. Genre les buissons. Ah bon, on peut faire une haie de buisson, enfin une sorte de haie de buisson. Pour un peu camoufler l'endroit. Salut Rodi, salut mademoiselle Choka, comment vous allez? Ça va bien? Désolée, je suis concentrée dans ma déco. Moi, quand je suis dans un truc, je suis vraiment à fond dedans. Là, c'est le cas aussi. Je suis à fond dedans. Et du coup, là, on pourrait faire une sorte de place, non? Parce que j'ai quand même 100... Attends, je décale un peu ça. Ouais, je peux faire ça. Ça passe en... en dessous? C'est dérangeant que ce soit en dessous, là. Je vais enlever cette ligne. Non, j'aime pas que ce soit collé en dessous. Par contre, on peut peut-être encore agrandir ça. Ça aussi. Alors là, c'est l'arbre qui nous dérange. Comme ça. Hop. Ok. Ça va bien, moi, merci. Ça va, ça va. Le rat vient enfin de s'installer dans le village. Le rat. Prudent et proche de l'homme. Était longue avec le taf. Bon, ça va, c'est la fin de journée. Ça va, en vrai, 16h30, la fin de journée. C'est ok, je trouve. On va aller voir Picsou pour aller lui choper des trucs verts, là. Un peu. On a une petite place, on va pouvoir faire un petit peu le même style de déco que l'autre d'à côté, là-bas. Enfin, je peux me TP, en fait. C'est plus rapide que j'y aille comme ça. Mon corps, il me dit que c'est l'heure de la sieste. Bah non, tu vas rester éveillé, mon ref. Lolo, toujours, tu fais des siestes. Vous arrivez à faire des siestes comme ça? On en a déjà parlé plein de fois, mais vraiment, moi, les siestes... Waouh, j'y arrive pas du tout. J'ai commencé super tôt, le chat qui prenait tout le lit. Tellement pas dormi. Oh non! C'était le chat qui est là. Étalé. Picsou! Bonjour! T'as commencé à quelle heure? Super tôt, c'est quoi? C'est genre à 7h? En vrai, ça fait du bien. En vrai, moi, j'avoue quand même que je préfère grave commencer tôt. 4h du mat. Ok, oui, ok. Je préfère grave commencer tôt pour après, une fois que genre t'as fini ta journée. T'as fini tôt, genre. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça pratique. Ça m'énervait d'être de l'après-midi. Est-ce que à l'époque, je bossais au drive. À l'époque, c'était quoi? C'était, ouais, c'était déjà... Il y a déjà... 4 ans 5 ans 4-5 ans déjà, maintenant. Je bossais au drive. Genre de Leclerc Drive. Et je vous assure que c'était effroyablement chiant, quoi. Tu quittais super tard. Enfin, vraiment, c'était... J'ai détesté. J'ai détesté. Je trouvais ça horrible. Elles sont où, les tombes, là? J'aimerais bien remettre des tombes. On va peut-être faire un jardin de tombes. Un jardin de tombes. Pardon. Elles sont où, les tombes? C'est censé être un siège, non? On va mettre filtre gris. Elles sont grises, les tombes, là. Ah, c'est ça. Ok, j'en ai pris 6. Du 10h, 19h.
Moi, j'aime pas quand tu commences à 10h, genre. Voilà. Mais en fait, moi, j'arrive pas à faire des siestes. Dans le sens où, en fait, j'en ai fait que quelques-unes dans ma vie, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Et en fait, je sais pas si je me force à pas en faire ou pas, mais je déteste la sensation que t'as quand tu te réveilles d'une sieste, genre. Vraiment, pour moi, c'est la pire des sensations, genre. Je me sens tellement mal. J'ai l'impression d'avoir loupé 3 jours et d'avoir perdu littéralement tout le temps de ma journée. Et genre, vraiment, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je déteste cette sensation de quand tu te réveilles d'une sieste. Même sans forcément avoir archi dormi ou quoi, genre juste... J'aime pas ça. Ça me fait être trop mal à l'aise. Genre, j'aime pas. Je sais pas si vous voyez la sensation que c'est. Ah, on va mettre du vert aussi, parce qu'il y avait le truc gris et vert, là. Où sont mes trucs mortuaires, là? Littéralement, il y a ça. Il y a ça aussi. Je vais prendre ça, je vais le poser là. Hé, j'ai des lampadaires là. Hé, let's go. Ça par contre, ça je dis pas non. Je peux les mettre là même. Oh oh! Du coup, j'en fais presque jamais. Bonjour, bonjour ma vie. Ouais, moi je déteste ça, les siestes. Je me sens trop trop mal quand je me réveille. Genre, j'arrive pas à me. Ouais, pareil, genre. En fait, à partir du moment où je ferme les yeux, moi, c'est fini, genre. Je suis partie. Et en fait, vu que je fais jamais de sieste d'habitude, ben, le fait de juste savoir que je me suis endormie, mon corps, il croit que c'est la nuit. Donc je peux faire une sieste à 13h et je vais dormir jusqu'à genre 18h et du coup après bah c'est fini genre. Je suis debout la nuit. Ça m'est arrivé une fois, plus jamais. J'ai galéré à me rendormir, j'arrivais plus à dormir après. C'était tout déréglé alors que j'avais juste fait une sieste. Ça m'était déjà arrivé, vous savez, genre les lendemains de soirée. Où en gros bah j'avais pas dormi, du coup j'avais fait une sieste dans la journée. Genre j'avais fait une sieste à 10h jusqu'à genre 15h, 16h, je sais plus. Je me suis réveillée, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. Enfin, j'étais toute transpirante et tout. Enfin, c'était vraiment une sensation pas du tout agréable. Du coup, depuis, plus jamais. Genre, je peux pas, je déteste les siestes. Force aux gens qui sont dans le même cas que moi, on se sait. On se sait. Qu'est-ce que j'ai racheté là pour ça? J'ai racheté les fontaines. Ah, il faut les bancs. Alors, on va aller voir les sièges. Filtre gris. Voilà. C'est plutôt blanc, non? Et on avait dans tout filtre orange les citrouilles qu'il faut que je récupère. Celle-là. Voilà. Je n'en ai que deux, hein, mais on va pouvoir peut-être faire un peu de tri et récupérer d'autres. Ok. Alors, voyons donc. Ah. Ça n'est pas centré. Dans tous les cas, ça le fait pas trop. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Là, j'aimerais bien déjà pouvoir placer ces espèces de fontaines. C'est des fontaines, ça? C'est des fontaines de quoi, là? C'est des fontaines de sirop de menthe ou quoi, là? C'est fluorescent, le machin? Je suis où? Je suis là. Je pense qu'on va pouvoir faire ça. Non. Faire ça. Ok. Est-ce que je... Ah mais c'est pas du tout centré ce truc là. Est-ce que je laisse ça devant? Bah non, c'est pas centré. Voilà, comme ça. Un peu mieux. Voilà. Je peux pas la mettre dessus, dommage. Ça aurait été bien je pense. C'est pas trop mal.
Ou là, sinon, on peut faire peut-être dans ce sens-là. Peut-être plus comme ça, je pense. Par contre, cet arbre, bah, pardon du terme, mais il me fait chier, quoi. Voilà, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Dégage. Dégage, l'arbre. Va au coin, là-bas. On fait déjà ça et on voit après pour les arbres. Centré, centré. Après, bon, en vrai, non, j'abuse. Je peux peut-être le rapprocher. J'abuse. Je vais le reprendre. Il était bien, en fait. J'aimais bien. Puni, là, vraiment au coin, quoi. Non, je l'aimais bien, en vrai. Et il commence à nous faire chier, ces lampadaires, là. Oh. Non, mais dis. Mon arbre. Voilà. Comme ça. Et les lampadaires, peut-être qu'on peut les mettre différemment. Peut-être qu'on peut faire ça. Ouais, ça peut être sympa comme ça, regardez. En fait. Voilà. Hop. Par contre, ça, je l'aurais plutôt mis là. Au début, je l'avais placé... Ah, à moins que je le tourne. Comme ça. Là, en fait, c'est dans le rocher, là. C'est quoi, cette histoire? Ah, et puis j'avais oublié, j'ai ça. Alors. Je pense qu'on peut placer cette merveille par là. C'est sympa l'ambiance, hein. C'est très Disney vibe, hein. Super, mon arbre il a sauté. C'est glauque hein, cette histoire. Trois tombes ici. T'as des couilles contre toi, vraiment. Appelle cet arbre, tu fais chier. Ah, je pense qu'il est pas mal. Comme ça, avec son petit nom, tu fais chier, ça lui va bien. Son petit nom, tu fais chier. C'est un peu too much comme nom, je trouve, pour un homme, mais bon, ça peut passer dans certains contextes. Et si on peut faire peut-être un petit chemin, là, comme ça. Boop. Au moins, comme ça... Ah, attendez, on peut peut-être arranger ça mieux. Comme ça. Et là, je pense qu'on peut remettre des arbres. Alors, pour les arbres, pareil, je vais récupérer tous les arbres... Salut Baby Cake, comment vas-tu? Tous les arbres un peu dans les tons violets. Voilà, c'est beaucoup plus pratique en fait, surtout. Hop. Pour les récupérer, vraiment, c'est le must, franchement. Et pareil pour les buissons. Filtre violet, hop, on s'emmerde pas. Hop, on les prend et on les place. Alors par contre, ça va pas. Je pense que cet arbre est peut-être de trop de ce côté. On va peut-être faire ça. Ok. Ça me va en vrai. Et je pense que de ce côté-là... Alors... Ça va être compliqué, je pense, à aller jusqu'à là-bas. Il faut qu'on trouve une utilité à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on y fait, là? On fait quoi? Est-ce que vous avez des idées pour ce coin-là? Parce que moi, non.
T'as su peut-être décaler ça. Je sais pas comment le placer, mais c'est énorme ce machin là en fait. Je vais peut-être le laisser là en fait. Je sais même pas ce qu'on peut mettre en fait ici. Oh, j'ai eu super peur de l'alerte, genre vraiment j'ai sursauté. Paragus, tu m'as fait sursauter. Merci pour ton raid. Comment ça a été? Je suis passée tout à l'heure en lurk. Comment ça a été sur Pokémon? Merci Tsuki pour le follow. Merci Bucket. Comment vous allez? Salut Irisambre. Comment ça va? Bienvenue, on est sur Disney. On est en train de faire une zone un peu dégueu. Il a dit de dire coucou. Alors coucou à vous. Je fais un peu peur, mais... Que le réveil au matin. Ah, que le matin au réveil. Ok, bah écoute, j'ai eu peur quand même. Donc faut peut-être que tu revois... ses paroles. Coucou Tsuki, comment ça va? Comment vous allez? Merci Winnie pour ton follow, merci beaucoup. Ça a été le stream, c'était bien? Ubu. Aïe aïe aïe. Ouais, ça va bien, merci. Je suis en train de galérer parce que là, je suis en train de faire ma petite déco. Donc dans la partie, je sais pas si vous connaissez un petit peu Disney. C'est un petit peu un jeu de quête, de déco, etc. Et là, on est dans la partie un peu en mode Halloween, un peu horrible, quoi. C'est la pire partie. Quand tu regardes les autres maps, là, t'as une map un peu en mode savane. Là, t'as la place un peu classique, mode les petits châteaux et tout. Là, t'as une petite prairie, t'as la petite plage, t'as des marais, etc. Et moi, je suis dans vraiment la zone où déjà, tu vois que tu passes dans une zone qui est... sous un brouillard mais épais comme never, et j'ai débloqué du coup cette semaine, toutes les semaines dans Disney ils proposent des nouveaux items qui sont achetables avec de l'argent entre guillemets, ça s'appelle des pierres de lune que t'échanges contre du vrai argent, un peu comme les V-Bucks je crois sur Fortnite genre. Et en fait grâce à ces pierres de lune j'ai pu acheter cette magnifique maison, mais je les ai eues gratuites ces pierres de lune, je les ai pas achetées, je suis pas une Yonkli. Et du coup vu que j'ai mis cette maison fallait bien qu'on fasse la déco autour, et c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de décorer le tour mais c'est un peu compliqué. Donc là on a placé quelques petits trucs assez sympas, voilà, c'est la caméra de ce jeu. Ça m'a fait se dézoomer, ça m'a fait aller à l'autre bout de la terre là. Donc on a placé des petits lampadaires, des petits sièges, des petites fontaines un peu... je sais pas comment les décrire, ces petites fontaines là, je sais pas comment décrire ça. Salut Gagan, comment vas-tu? Merci Iris pour ton follow. Si tu peux être un Pokémon, tu serais qui? Alors, en vrai, j'ai plusieurs choix. Je serais soit Mew, soit Feu for Rêve, Milobellus, ou l'évolution de Farfuré. Comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom, mais l'évolution de Farfuré. C'est parce que c'est mes 4 Pokémon préférés. Je suis pas un Yonkli dans Disney. Dimoré, tout à fait. Dimoré. Je les aime bien. C'était un personnage Disney? Oh, si je devais être un personnage Disney, je pense que je serais Lilo. De Lilo et Stitch. En vrai. Ou Mulan parce qu'elle est stylée de ouf. C'est parce que c'est mes préférés. Voilà, encore une fois. tu serais clairement Nymphalie. Ah ouais? Je suis pas très fan, moi, des Pokémon évolution d'Evoli. Dans le sens... Enfin, pas très fan. Dans le sens où... bon, ils sont pipous, tu vois, mais je suis pas là à toujours les prendre ou quoi, en vrai. Il y en a beaucoup qui jouent qu'avec eux, en mode, ouais, trop mignon, vas-y, je le prends et tout. Moi, c'est pas du tout mon cas. J'avoue, je me dénonce. Mais le de dingue, c'est vrai? Trop marrant, ça. En fait, c'est elle. Elle t'a pas dit, mais c'est elle. Oh my god. Demande un autographe. Vite l'autographe. Vite, vite, vite. Ça se passe d'ailleurs, les cours, c'est toujours ok, c'est toujours cool. Ils sont toujours sympas, les élèves. Enfin, les élèves, les étudiants, vu que c'est du BTS. Ah non, tu m'avais dit que t'avais des lycéens aussi, non? Je sais plus. Ouais, tu m'avais dit que t'avais des lycéens, je crois. Tu kiffes Lilo et Stitch, mon Disney préf. Ah vraiment, ce Disney est super cool, je trouve. Je le trouve trop... comment dire, en fait, il est grave... il est un peu triste... Mais à la fois, tellement mimi, genre, à regarder en famille, je trouve, c'est trop chou. J'adore. Je l'adore, ce Disney, vraiment. Je sais pas trop comment faire cette zone ici. En fait, ici, vous êtes arrivé au moment où je suis vraiment en train de réfléchir à ce que je fais là. Est-ce que je fais...
un truc en particulier dans cette zone? Est-ce que je me fais pas chier et dans ce cas-là, je fais des trucs un peu random? Je suis dubitative et je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à la question. Il fume beaucoup de puff, mais ça va. Oh purée, c'est vraiment la pire catastrophe, ça. Et salut, Douli Sushi, comment ça va? Comment vas-tu? J'ai que des lycéens. J'aime juste la BTS. Ah, ok. Oh, ça aurait été cool en vrai d'avoir des BTS. Ça pourrait être sympa. Ils sont plus grands. Je me dis d'un côté, ils sont peut-être plus... je sais pas, genre respectueux, etc. Par contre, ça me tue. Genre, je vois passer des screens des fois que tu lâches... de messages que les élèves, ils t'envoient. Genre. Le langage qu'ils ont, ça me termine, genre, vraiment. Je me dis, mais c'est trop de parler comme ça à son prof. Genre. C'est archi drôle des fois. Niveau autorité, ouais, je comprends, ouais. Après, en soi, tu vois, je me dis, BTS, quand même, t'es adulte. Nous, en tout cas, enfin moi, je sais que dans mes études sup, vu que j'ai fait 5 ans d'études sup, j'ai eu des intervenants, moi, c'était en école, donc en bac plus 3 déjà. Mais j'ai eu une intervenante qui avait, je crois, 24 ans, tu vois. Non, j'avais peut-être 25, 26 ans peut-être. 26 ans, je pense, je dirais. Et, enfin, c'était pas notre pote, tu vois, mais presque. Et elle nous donnait grave envie d'apprendre. Le fait qu'elle soit aussi jeune que nous et qu'elle nous comprenne bien, etc., ça nous donnait grave envie de se donner pour son cours, de faire tout bien et tout, pour pas la décevoir. Oh, ça, c'est un truc qu'on veut, ça. Je vais le mettre au milieu du chemin. Bah, je le vois même pas au milieu du chemin. Je vais le mettre là. Là, je le verrai peut-être un peu mieux. Mais vraiment, elle était trop, trop gentille. On l'adorait. C'était vraiment notre prof préf, hein. faut dire les termes. C'était notre prof préféré. Enfin, c'était même pas une prof, du coup, c'était une intervenante. Donc c'est quand même pas la même chose, en vrai. C'est quand même pas la même chose. J'ai une élève, dès qu'un épisode de One Piece sort, elle me fait un débrief. Elle me pose des questions, c'est vrai. C'est trop marrant, ça. Il met une morale, mine de rien, Lilo et Stitch. Ouais, c'est vrai. T'es ma force, Disney, gros cœur. Oh ouais, vraiment. C'est pour ça que je l'aime bien, aussi, je pense. Mirabelle vient d'arriver dans le village, alors let's go. Mais ça va, tu débloques tout aujourd'hui, là. Salut Aurélien. J'ai galéré à lire alors que c'était si simple. Les profs jeunes, j'ai l'impression que c'est quitte double, ils se font juger au premier cours, et s'ils passent la vibe check, ils se font respecter. Bah, c'est vrai. Ça, c'est un peu vrai, quand même. J'avais... après, c'était au lycée, en seconde, donc on était plus jeunes aussi. Mais j'avais, pour l'anecdote, un prof de maths qui sortait de l'école des profs, genre. Et qui venait d'avoir son diplôme, etc., qui pouvait enseigner. On était sa toute première classe et ma classe l'a fait littéralement partir en dépression parce que il avait pas du tout passé ce check apparemment. Et j'ai vraiment pas de chance parce que je suis vraiment tombée dans la pire classe de tout le lycée. Je me suis retrouvée en fait avec le collège qui avait la pire réputation. En fait, tous les gens qui venaient d'un collège en particulier. Ils étaient grave réputés en mode bordélique. En fait, c'est vraiment le collège réputé en mode t'es pris parce que y a aucun autre établissement qui veut te prendre, tu vois. Et en général, c'était tous les gens qui étaient forcés d'être un peu réorientés, etc. Parce que ils s'étaient fait exclure ou machin. Donc en fait, je me suis tapé tous les gens qui s'étaient fait exclure, donc tous les pires, littéralement tous les pires comportements. Et ils ont fait partir mon prof de maths de seconde en dépression. Je n'ai pas eu de cours de maths de toute l'année de seconde. Et du coup, j'étais arrivée en première. J'étais là en mode, je ne comprends rien à tout ce qui est fonction, tout ça. Je ne comprends rien. Donc, franchement, en vrai, ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est un peu triste, mais en vrai, c'est réel. Les étudiants, les lycéens plus étudiants, en vrai, ils sont pas spécialement toujours cool, quoi. Donc, bon. Des fois, ils te font passer des moods un peu horribles, quoi. Au lycée perso, les profs jeunes... C'était la cata. Bah, au lycée, ça allait. En fait, ça dépendait, tu vois. Je pense... En vrai, c'est horrible de dire ça, mais je pense que, en tout cas, moi, pour les profs jeunes qui n'ont pas, enfin, qui sont pas passés en mode où vraiment les gens ne les aimaient pas, ça s'est vraiment joué à la gueule, hein, vraiment joué au physique. Toutes les profs... J'ai eu que des profs filles. En fait, j'ai eu que des profs filles jeunes, donc c'était bien passé, et tous les profs mecs jeunes, c'est pas passé, en fait. Littéralement. Puis, ah bon, après, t'avais les remarques désobligeantes des gens de la classe, qui mataient la prof, bref. Horrible. Vraiment horrible.
Avec du recul, tu vois, à l'époque, j'étais là en mode, ouais, bon, arrêtez, genre, c'est chelou de faire ça, genre. Mais avec le recul, putain, je pense que j'aurais été. On parlait à la prof. Je pense que je me rendais pas compte de ce qui était dit, genre, à l'époque. J'aurais été la Pookie. J'ai fait partir un prof aussi, pardon monsieur Groucho, je vous assure que je suis devenue normale depuis. Ça c'est dommage en vrai, c'est triste. C'est triste en vrai d'en arriver là. Mais c'est bien que tu t'en rendes compte en tout cas. Quand il débute, c'est comme nous. Enfin, tout le monde commence un jour, donc justement les nouveaux profs essaient de les mettre à l'aise. Pour les amphis, porter... Ouais, oui, c'est ça. Bah, après, encore en étudiant, je trouve ça différent. Je trouve ça vachement différent en vrai, le monde de prof. Parce que, mine de rien, faut dire les termes quand même, être prof en amphi, ça peut faire peur, mais t'es plus proche de la... Enfin, quand tu débutes hein, ta carrière de prof, t'es quand même plus proche des gens qui sont en amphi que des gens qui sont au lycée, tu vois, au niveau de l'âge. Donc forcément que ça joue beaucoup. Par contre, là, je peux pas mettre mes vieilles clôtures, là. Je vais peut-être en mettre là. Mais il faudrait du coup que je décale ça. Comme ça, je pense. Et là, je peux plus. Ok. C'est pas très grave en vrai. Ah, je peux pas le placer, lui. Et si je le décale encore de 1? Ouais, je peux le mettre. Comme ça. C'est pas trop mal. Par contre, pour pêcher... Alors là, je vais me démerder. Hein. Grand manque d'empathie. Surtout quoi. Ouais, c'est... en vrai, je pense que c'est ça. Genre, je pense qu'ils sont juste en mode, bah, vas-y, les profs. Quand tu grandis, en vrai, bah, justement, quand t'as des profs qui sont plus jeunes, enfin, moi, en tout cas, je me suis toujours sentie. En études sup, je parle. Hein, beaucoup plus proche des profs qui étaient plus jeunes, forcément, parce que, bah. On se comprenait un peu mieux, tu vois. Mais mine de rien, ça a pas mal aidé. Au fait que le prof a réussi à mieux s'intégrer parce que justement on était une bande de jeunes aussi en face de lui. Enfin, en tout cas pour ma prof en études sup, gros big up à elle, à Gabi. Je l'adore, vraiment elle était trop cool. Elle était vraiment trop cool. Big up, qui dit ça encore en 2023 là? Gros big up. Pardon, c'est un peu honteux je trouve ce mot. Big up, big up à Gabi si elle passe par là. C'est grave le genre de prof en fait où tu pouvais parler de tout et n'importe quoi avec elle, genre elle était vraiment trop cool. Limite, des fois, en cours, on se posait un quart d'heure, on parlait, t'es là, bon, attendez, les gars, on est en train de faire n'importe quoi, on parle même pas du... Big Ali, il dit... Et toi, Big Ali. Ah, c'est sûr, la mentalité, lycée, université, c'est très différent, ouais, de fou, hein, vraiment. T'as vraiment... C'est du tout au tout, il y a un fossé entre les deux, je trouve. Je trouve que quand tu passes en études sup, tu me ris d'un coup. Je me crois sur Skyrock. désolé, j'abuse un peu. J'avoue tout, c'est de ma faute. J'ai sorti des mots qui datent de Mathusalem, là. Pareil, Mathusalem, mais personne dit ça, genre. Bref, faites genre, vous avez pas entendu, ok? Faites genre, tout est ok et tout va bien. Mais en vrai, je pense qu'on va laisser ça comme ça pour l'instant, là, parce que j'ai plus d'idée pour lâcher un com, je rends 10. Comment devenir une star? Putain, Skyblock, ça a fermé, les gars, quand même. En vrai, je suis un peu triste. Genre, à l'époque, bah, moi je suis une joueuse Animal Crossing de base, pour ceux qui me connaissent pas trop. Je joue Animal Crossing depuis que je suis toute petite, et c'est mon jeu de prédilection. Et en fait, à l'époque, sur New Leaf, donc sur le jeu qui était sorti sur 3DS, il y avait, alors je sais pas combien c'était de personnes d'ailleurs le compte là, mais il y avait un compte qui s'appelait... c'était quoi? C'était genre, je crois, le blog des Sœurs d'Haute-Fée. Et en fait, sur ce blog-là, donc sur ce Skyblog... La personne ou les personnes avaient répertorié littéralement tous les motifs possibles, imaginables, créés par les joueurs dans le jeu. Donc en fait, dès que tu cherchais des motifs pour faire des chemins, par exemple, dans ta ville, fallait que tu ailles sur ce site. Et puis ils mettaient régulièrement les trucs à jour et tout. Et là, me dire que ça c'est fermé. Franchement, c'est dur. C'est dur. Je pense que je vivrai plus jamais de la même manière qu'avant. Depuis que je sais ça, ça m'a chamboulé, quoi. J'ai perdu mon Skyblog. Oh, flûte! Flûte, j'ai perdu tous mes skyblocks de quand j'avais 8 ans. Mince. Plus personne ne pourra se moquer de moi. Flûte alors. C'était incroyable ce blog. Il était génial. Moi, il m'avait grave aidé. Hein. Les sœurs doigts de fée, là.
pense que si ça avait été moi qui avait tenu ce bloc, je l'aurais appelé les sœurs doigts de pied. Ça aurait été plus drôle, je pense, que sœurs doigts de fée. Mais bon. C'est pas moi qui fais les vlogs, les blogs. Donc bon. Ça aurait été plus marrant, en vrai, les sœurs doigts de pied. La classe, finalement, grave. C'est trop chiant à poser les objets, là. Ouais, c'est sur le sol dur, ça va pas, ça. Bon, on va enlever. L'arrivée du chat de Facebook ? Du chat ou du chat Facebook ? Dans tous les cas, dans les deux cas, j'ai pas la ref. Je me sens un peu déboussolée, là. Mais les Wiz, le plugin MSN+. Pas de Messenger. Ah, Messenger, ok. Ah, mais ça, par contre, c'est vrai que quand c'est arrivé, Messenger, c'est une trahison. C'était une trahison. Littéralement, Messenger, je crois que c'est MSN en soi. C'était pas ça. Il y avait pas un truc comme quoi, genre, MSN, c'était devenu genre Messenger. C'est pas ça, le truc. Pareil, genre Skype. Et Skype, ils sont encore utilisés. Qui utilise Skype? Ah non, c'est Skype qui a racheté MSN. Ah. Hmm. Ouais, il y a un truc comme ça. Je me disais bien qu'il y avait un des deux. C'est ça. Furie à l'époque. Oh, Skype, quoi. Je faisais mes meilleurs appels Skype sur Minecraft, en vrai, je m'en rappelle. C'est la bonne époque. Bah écoute, ouais, j'ai un proche qui a eu un entretien il y a pas longtemps en visio, c'était sur Skype. J'étais là en mode... Ok, tu sais, d'habitude t'as plus l'impression de voir des trucs en mode des liens Zoom, des liens Google Meet, ou à la rigueur des trucs Teams, tu vois. Mais Skype mmh. Et du coup, ouais, du jour au lendemain, en fait, Skype, ça... Enfin... Là, c'est peut-être remonté un petit peu, mais du jour au lendemain, Skype, ça a un petit peu été foutu de côté. Et puis, il y a eu Discord, en vrai. Skype. Non, en vrai, franchement, un peu drôle, hein. Skype. Je pense qu'on va pouvoir refaire la même vibe. Attendez, on va devoir refaire un truc qui est vraiment cool et qui sera bien, je pense. Salut Lolotte, salut Ninouille, salut T-Live. J'allais t'appeler TV Live en mode TV, genre en mode la télé live. Bref. Comment ça va? Vous allez bien? Daf, on a deux teams, Skype et Teams. Ouais, je suis vraiment plus Teams en vrai. Bah après, Teams, moi, je m'en suis servi pour mes études. Enfin, mon école nous fournissait la licence, donc... c'était pratique. Mais Skype, je crois que c'est gratuit, c'est peut-être pour ça, non? Que tout le monde... Enfin, que les boîtes se mettent encore dessus. En vrai, Google Meet, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est hyper simple. T'as ton compte, hop, tu te connectes... Google Meet, c'est peut-être limite mieux. Je trouve que c'est vraiment le meilleur des trucs que j'ai testé. Genre les trucs genre Zoom, il y a trop d'infos, il y a trop de trucs, je trouve. C'est compliqué à comprendre. Ouais, Discord, c'est vrai, pendant le confinement, pas faux. Il y avait des universités qui utilisaient Discord, en vrai, pour communiquer, etc. Parce que, bah, pas de licence, Microsoft, tout ça, tout ça. Ah, cool, j'irai voir Rospaudrey, alors. J'irai voir après. Merci. J'ai découvert Discord, pour moi c'est sorti de... C'est une sorte de MSN-like. Bah en vrai, franchement, un peu hein. Moi quand j'ai découvert Discord, j'étais là en mode... Je comprenais rien du tout. Genre vraiment, je comprenais pas du tout le truc, je comprenais rien. Comme Twitter, hein, quand j'ai commencé à utiliser Twitter en 2014, 2013 je crois. Je crois que j'ai découvert Twitter en 2013-2014. Je ne comprenais absolument rien. Du tout. J'étais là en mode, ok, bon, laisse tomber, je me casse. Je suis partie, je suis revenue. J'étais là en mode, ah ouais, c'est comme ça, c'est trop bien et tout. Mais j'étais vraiment paumée, hein. Oh là là, laisse tomber, quoi. Au début, c'était pas si évident que ça. Par contre, on va peut-être pas abuser. J'ai peut-être un peu excessivement abusé. Hop, on va remballer ça. On va en prendre que 10 de chaque. On va faire comme la dernière fois, on va faire un champ de fleurs, mais l'autre côté. Là j'abuse, il faut dire les termes. Hop. On avait quoi comme plante aussi là? On avait des petites... C'est ça? Je crois que c'est les impatientes. Je crois que c'est celle-ci comme fleur qu'on a besoin.
Je vais prendre celle-là. Les rouges, en vrai, elles vont pas trop, hein. Faudrait que je prenne des comme ça, je pense. Séparer, on va en prendre. Dissocier. On va prendre un peu dans les tons violets, je pense. C'est des impatientes, ça ? Ouais. Les oranges et rouges, en fait, non. Je suis pas fan. Hop, on va prendre des blanches. Ok. Ça, on va en prendre 9 parce qu'on en a déjà. Je vais éternuer. Je t'ai remercié, Winnie, pour ton follow, je sais même pas. Ananas, c'est vrai qu'il faut que je le fasse, ça marchait bien à une époque, ça. Puis j'ai arrêté de le faire. Ouh. C'est blanc, ça bon. On va faire 8. Hop, ça dégage. Et on va aller disperser tout ça. Ça serait déjà pas mal, je pense. Merci, merci, merci. Parfois, on reçoit des doubles appels sur Teams et Skype en même temps. Ils sont pas décidés. Je travaille dans l'état de Belgique pour prendre des décisions. C'est pas notre faute. En effet, vu comme ça. Mais il y a tellement de branches là. Il va falloir que je me mouche, je pense. Incessamment sous très peu. Cette phrase ne veut rien dire. Incessamment sous très peu, c'est. Salut SIH, ça va et toi? Comment vas-tu? Il est quelle heure là? 17h. Oh, bah faudrait qu'on... Là on fait ça puis après on passe sur Animal Crossing, j'avais dit 2h... Et 2h, il faut que je sois libre pour 20h. J'avais dit... Je suis en retard en fait sur mon petit planinche que j'ai improvisé là. On n'a même pas pu faire le tour et tout, on était en déco là. Par contre c'est trop d'être lente comme ça, avance. Ah merci. J'aurais pu me TP hein, ouvertement. Merci Greg pour le à boire. Attends, je vais me boire juste après, j'arrive et puis hop. Et coucou Eva. Ici, on est des surfeurs comme Brise de Nice. Ok, alors, ici, on va faire jeter, 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 jeter comme ça, jeter comme... J'ai plus de place! C'est des roses! Pourquoi elles ont une tête blanche sur l'icône? C'est des roses, sérieux! Ah non, mais là, c'est excessivement abusé. C'est de la tromperie, tout ça, là, je reconnais. Ah, vas-y, pour aller de l'autre côté, là. Ah non, en fait, je peux traverser la toile, j'ai rien dit. S'il te plaît, ramasse-toi. Non, mais je me sens trahie, là, je me sens trompée, carrément. Et là, je peux pas remettre. Je peux pas là. Bah, je peux peut-être en mettre là, non? Genre, y a pas deux places là. Aïe, 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 aïe. Et si j'en récupère quelques-unes? Pour pouvoir essayer de placer des jaunes. Ouais. C'est une blague, j'espère. On appelle ça du foutage de gueule dans le milieu. Je sais pas si vous connaissez. Ils sont trop mal placés. Ça c'est vraiment honteux hein. Des rouges là. Et Kinder, mon péché mignon. Aïe aïe aïe. Je compatis. Je compatis. La musique elle est... Mais d'une angoisse, mais... Ce jeu m'angoisse. Là il me faudrait une jaune.
Et si j'en place une, ils vont m'en placer 74. Je jure, je peux pas en mettre une là. Des fois, je comprends pas la logique de ce truc. Ça passe carrément en fait là, il me troll le truc là. Ça passe là, pourquoi je peux pas en mettre? Bah alors? Partir un jour sans retour. Je suis d'accord Taiko. Ici, on peut peut-être faire... Mais c'est n'importe quoi, vraiment comment ça les déplace, genre... Comment ça les déplace, comment ça les place, c'est vraiment nimp, genre... Mélanger un peu, je sais pas. Taiko, t'en penses quoi de ces superbes fleurs, là? Toi qui es fleuriste. Est-ce que tu penses qu'elles slay? Ça va, vous? C'est jaune. Hmm. T'aimes pas les fleurs jaunes? C'est ce que t'es en train de dire? Oh non, SGH! Soigne-toi bien. Et merci pour le... Ah bon, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas fait. Ok. En vrai, ça meuble un peu, tu vois, de mettre des fleurs à droite à gauche comme ça. Fais-moi un bon camaïeu de violet, ça veut dire quoi? C'est un peu mimi, ouais. C'est floral, ça change un peu. Merci à Avoun pour ton follow. On va pas tarder à changer, là, on va peut-être passer sur Animal Crossing, même limite maintenant.